Nous vous sommes là, pas pour aujourd'hui. Là. Et camarades, Pep Saint-Claude, bien bonjour. Moun Guadeloupe aussi, bien bonjour. Pendant nous deux cas défilés, nous voyons Monceau. Qui nous est encore Monceau Califère, non, bah là. Il était caché, il comprenait nous payer. Il te dit, il va aller nous en mairie là pour pas voir nous. Il est caché dans l'école là-bas. Là. Mais le malheur est nous voyons. Eh bien, camarade Gouglas, ça. Il était président à conseil de surveillance à l'hôpital en bas, là, le PSM. Il est toujours. Ah, il est toujours président. Eh bien, camarade Teloubout là, Bougla n'a jamais porté confiance pour dire qu'effectivement, il faut réintégrer les soignants, il faut combiter. Il y a la Bougla fermée. Bougla était président en structure hospitalière aussi, même bidé. Et je dis, je vous gagne l'élection, Bougla vous avez une députée. Mais il dit, moi, j'ai député. Si lui-même j'ai voté, c'est qu'il a député. Voilà. Donc, Bougas, aujourd'hui, je vous invite député. Quand je vous conseille, là, vous voyez que député, il peut porter mon œuvre pour faire réintégrer tout le monde, etc. Mais c'est ses paroles. Mais Bougas n'a pas dit qu'il a réglé le problème de l'eau, il a réglé le problème de sargasse, il a réglé le problème de travail, il a réglé le problème. Mais c'est ça qui est intéressant, nous, le problème de retraite, le problème à. À Pôle emploi pour indemnité à chômeur. C'est le but de Bougakadio, aujourd'hui, jour, il peut faire les soignants entrer. Comme si nous devons attendre ici pour faire les soignants entrer. Mes camarades, c'est la lutte et c'est ça que nous allons faire. Nous allons goûter ensemble pour faire ce monsieur comprendre qu'il faut réintégrer les soignants. Mais nous ne pouvons pas attendre. Eh bien, camarades travailleurs, c'est vrai que aujourd'hui là, parmi nous, nous avons l'eau qui partit à voter, ils pas venu marcher parce que l'habitat était raide, ils estimaient que Chiméra, ça trop raide, ils ont pépé monter Saint-Claude, yo, ni ça qui fait le choix d'aller voter. Mes camarades, Fonzo savent qu'il y a pas ces messieurs qui peuvent faire cette obtention en mède. Parce que ces messieurs, ces affaires qu'ils ont fait. A pas situation à Guadeloupéen, ni situation à travailler à Guadeloupe, à travailler qui a souffert, qui a ses problèmes à ces messieurs. A pas problème à ces messieurs. Et nous voyons ça pendant les négociations pour nous mettre en place un accord de méthode. Nous voyons Jean ces messieurs qui a fonctionné. Nous disons à M. André, j'ai dit, et là nous avons parlé de M. Il va même te signer accord là ça. Parce que s'il n'a pas signé, c'est que ça ne va pas plaire. Ils te font clash avec Jean-Marie aussi, rappelez-les autres. Donc, il n'y a pas de monde qui en tête à eux foncièrement, ils sont prêts à aider les travailleurs, à permettre aux travailleurs à obtenir au mieux. Camarades, ils ont vrai prix à carburant, Jean y a augmenté. Mais semaine prochaine, en début juillet, ils vont augmenter encore. Et nous, là, nous pas dire, ha! Nous, là, nous venons accepter que le carburant, toute qualité de vie qui a augmenté, nous pas dire rien. Camarades, il faut nous prendre en position. Il faut nous faire, il faut nous réagir, il ne faut pas nous laisser ça parce que, à part les politiques, puisque prochain c'est monsieur plein, prochain c'est monsieur bien, c'est monsieur qui a roulé dans la voiture, plus confortable que nous. Gardez l'état là, il a. Gardez l'état là, il a Guadeloupe, camarade. Et on monde te rappelé ça sur Facebook, il te dit les politiques, que rappelez-vous, et même les ministres qui viennent ici, nous ont dit comme ça. L'État Chiméra démonté, mais à part les tirs, en Ukraine, à part les bombes qui ont fait, si Chiméra démonté, c'est parce que Chiméra, ça n'est pas ni gêne ni pont entretien. C'est pourquoi il y a un État là, ça. Et donc, c'est monsieur qui a roulé en voiture confortable, je ne sais pas qui peut de nous. C'est monsieur qui a payé prix essence, je ne sais pas qui a payé essence, ça n'a pas de problème à yo. Alors que nous savons qu'on travaille, qui a gagné 1200 euros net en SMIC, qui a gagné ça à Jari et qui a resté à Bouillante, eh bien, camarade, l'air, ouais, il y a au moins 200 ou 300 euros et sans se payer, puis monter Jari tous les matins travail. Et là, a pas souci à ces messieurs. Souci à ces messieurs, jour et jour, c'est bien-être à eux. Bien-être à eux, a pas situation nous. Donc, camarade, nous avons encore appelé. Toutes camarades de Vigny, jeudi à Capacité parce que nous nions en meeting à Capacité. Et samedi prochain, nous qui à Guayab, nous qui encore une fois, fait ça, nous fait job là. Remonter,
fait ça qu'il faut pour tout problème, difficulté qui n'y, pour nous affronter toute difficulté qui n'y, et pour nous réussir chaque fois nous présents ici dans, par l'exemple dissident, chaque fois nous présents à nos meetings ou à dans en mobilisation, pour ensemble nous démontrer travailler peuple Guadeloupe, et aussi et surtout les politiques, les pouvoirs publics, Macron et toute bonne éloigne, faisons savoir que nous péquons la guerre. Et quand vous avez un moment force pour tout travailleur qui nous travailleur dans l'action sociale, travailleur dans la santé, tout travailleur qui a souffert, les pompiers, tout le monde qui est en lutte, jeudi jour, les camarades ArcelorMittal qui présent, qui nous toujours. Et donc nous appelons tout travailleur à rester solidaire, à continuer à vous mettre, et peuple Guadeloupe à continuer à porter solidarité pour travailler. Merci, camarades. Ensemble, nous qualités. Nous avons une belle force parce que nous sommes ici, bon matin, là, qu'on nous habitue ici tous les samedis.